ici nous sommes dans un pôle de santé. Un pôle de santé, c'est 37 professionnels de santé pour ce qui nous concerne, répartis sur deux sites et sur le site de Scorbé où vous êtes. Nous sommes 12 professionnels de santé, donc 4 médecins, 4 infirmiers, 2 dentistes, 2 kinésithérapeutes, une infirmière de santé publique et puis des secrétaires. Comme maison de santé, nous sommes censés d'abord soigner, et assurer une permanence des soins, recevoir le plus possible, soigner. Nous développons également de la prévention et de l'éducation thérapeutique, pour les populations du territoire. Et nous faisons de la formation, puisque nous recevons des étudiants en médecine, des internes, des étudiants en pharmacie, des élèves infirmiers et des étudiants kinésithérapeutes. Donc voilà, nous remplissons ces trois principales fonctions: l'accès aux soins de premier recours, l'éducation et la prévention, et la formation. Nous nous sommes engagés sur cette piste-là après avoir fait un diagnostic de territoire et un projet de santé. Et on a souhaité que ce projet soit équilibré, c'est-à-dire qu'il réponde aux problématiques de la population, de son vieillissement, de son isolement et de ses difficultés économiques, et également aux besoins des professionnels et des jeunes professionnels de travailler dans un environnement sécurisé, un environnement de coopération non isolé, avec une qualité de vie. Voilà, on a essayé d'équilibrer les deux dans le projet.